sur Radio Petit Loup. J'espère que vous avez fait beaucoup de farces à vos amis la semaine dernière. Moi, je me suis bien amusée. Mais allons voir si le soleil sera de la partie cet après-midi. Eh bien non, le soleil ne sera pas au rendez-vous. Ah oui, il pleut partout, sur toute la France. Eh oui, partout, partout, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez, ça c'est tout simplement génial. Ce sont des cartes postales très astucieuses. Si vous les découpez en suivant les pointillés, elles deviennent des boucles d'oreilles. Les attaches sont fournies avec la carte. Et oui, et tout ça pour un tout petit prix. Regardez ce que vous pouvez obtenir avec celle-ci. Un cornet de glace, une banane, une bague. Et puis, il y a aussi un avion, etc., etc. Et les petits loups, je suis absolument certaine que vous aimez les animaux et la nature. Alors, ça y est, je vous présente Wapiti. Wapiti, c'est le premier mensuel de la nature fait et écrit pour les enfants. Tous les thèmes sont abordés pour nous permettre de tout savoir sur la faune et la flore. Vous saurez tout sur l'ours, le koala, la naissance d'un poulain. Si vous lisez Wapiti dès aujourd'hui, vous trouverez ce mensuel dans tous les kiosques. Et maintenant, les petits loups de Bordeaux, une nouvelle formule à deux pas de chez vous. Le ciné-récré. Tous les mercredis et samedis, au Trianon Vigo, à partir de 14h15, vous pourrez voir des dessins animés et des films d'aventure. On vous donnera un petit programme et un ticket goûter au fast-food d'en face. Comme ça, en goûtant, vous pourrez parler ensemble du film que vous venez de voir. Génial, non? Au fait, en parlant de films, savez-vous que le Bisounours numéro 2 vient de sortir dans les salles de cinéma? Et oui, son titre, Une nouvelle génération. Cœur sombre s'est métamorphosé en jeune garçon et a fait un marché avec la jeune Christie. Elle deviendra championne du camp de vacances à condition qu'elle lui rende aveuglément un service le jour où il l'exigera. La petite fille cède à la tentation. Regardons ensemble un extrait. Je m'appelle Gros Tendre. J'ai un ami. Je suis venue vous aider à retrouver le chemin du camp. C'est hors de question! Nous ne retournerons jamais plus au camp. Jamais! Vous savez, fuir un problème ne résout rien. Vous vous faites trop de soucis pour des choses que vous ne savez pas faire. Vous devriez au contraire penser à tout ce que vous savez faire. C'est-à-dire quoi? Nous savons rien faire du tout. C'est pas vrai. Je vais vous dire, tout le monde est capable d'aider quelqu'un dans l'ennui. Il n'y a personne qui a envie de nous aider autour de nous. Nous sommes des perdants. John et Don, je voudrais vous présenter le petit tout fou le lapin. On pleure pas, bébé. Allô, allô. Oh, ça va s'arranger, ce n'est rien. Vous voyez, vous savez faire des choses, vous aussi. Vous pouvez vous intéresser aux autres et vous faire des amis. Je me le demande. Je vais vous montrer. Mon excellent ami, tout courage. Et vous venez pas? Oh, tu sors. Vive, Gros Tendre! Oh. Oh, c'est pas facile ce genre de sport quand on est un peu grassouillet. J'irai sûrement le voir cet après-midi. D'ailleurs, j'emmènerai le chat. Il est fou des bisounours.